Les systèmes de renforcement positif, comme le magasin général, doivent être utilisés de façon intelligente. Bien entendu, on ne va pas récompenser et donner un jeton à un enfant toute sa vie parce qu'il fait son lit. Ce qu'on veut, c'est créer des habitudes durables. On récompense pendant un temps, jusqu'à ce que l'habitude soit créée, puis ensuite, on passe à un autre défi. Ce qu'on souhaite en fait, c'est de passer d'une motivation extrinsèque, je range ma chambre pour un jeton, à une motivation intrinsèque, je range ma chambre parce que maintenant, à force de l'avoir fait et d'en avoir créé une habitude, je comprends à quel point c'est agréable de vivre dans une chambre rangée. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut utiliser les outils de renforcement positif comme le magasin général.